canicule, arrêt d'un réacteur de la centrale de Fessenheim. EDF a indiqué samedi avoir mis à l'arrêt l'un des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim, au Rhin, en raison des fortes chaleurs. Au total, samedi à 11h, 4 réacteurs de centrales nucléaires en France étaient arrêtés en raison de la canicule, 1 à Fessenheim, 2 à la centrale de Bugey dans l'Ain et 1 dans celle de Saint-Alban en Isère, a détaillé un porte-parole. Les réacteurs numéro 2 de Fessenheim et de Saint-Alban ont eu une production réduite, le 4 août, à 4h09, l'unité de production numéro 1 de la centrale de Fessenheim a été mise à l'arrêt de manière programmée en raison des conditions climatiques actuelles et pour respecter les autorisations de rejet thermique dans le Grand Canal d'Alsace, indique EDF sur son site internet. EDF avait déjà réduit dès vendredi la production du réacteur numéro 2 pour les mêmes raisons. La plus vieille centrale du parc nucléaire français, dont la fermeture est programmée lorsque l'EPR de Flamanville entrera en activité, prélève de l'eau dans le Grand Canal d'Alsace pour refroidir ses réacteurs et alimenter ses circuits de fonctionnement, puis la rejette. En cas de forte chaleur, la centrale doit moduler sa production afin de limiter l'échauffement de l'eau prélevée puis restituée au Grand Canal d'Alsace, dont la température moyenne journalière ne doit pas dépasser 28 degrés. Le département du Haut-Rhin a été placé en vigilance orange canicule comme 67 autres départements en France. Un réacteur de la centrale nucléaire de Saint-Alban et un autre de celle du Bugey ont également été arrêtés vendredi, afin d'éviter une hausse trop importante de la température du Rhône. Cette moindre production nucléaire intervient en une période où la demande d'électricité est réduite, notamment avec la baisse de l'activité économique liée au congé du mois d'août. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.